Salut à tous, c'est Tony. Bon, ben on va se refaire une petite vidéo Clash Royale. Toujours sur les tests de deck. Donc j'ai modifié mon test qui était à 2,9. Voilà, j'ai mis le mini PK à la place. À la place des archers, voilà. Pour avoir un peu plus de puissance au sol, on va tester ça. Le mini PK, je suis pas très fan, mais bon, on va le tester quand même. On verra bien ce que ça donne. Mais avant ça, on va s'ouvrir un petit coffre géant ainsi qu'un petit coffre de 3 heures. Allez, ben c'est parti pour le coffre de 3 heures. 45 d'or. Une cabane de gobelins. Et 8 gargouilles. Allez, coffre géant. 1394 d'or. 64 esprits de glace. Putain d'esprits de glace de merde. 167 bombardiers. Fait chier. Et 25 mousquetaires, ben fait chier, c'est pas des cartes de mon deck principal. Donc ça fait yesh. Allez, on va acheter les cartes. Toujours la même tactique que je vous ai dit. Vous achetez les cartes que vous ne servez pas dans votre deck jusqu'à 10 et celles de votre deck jusqu'à 20. Ça peut toujours servir. Allez, voilà. Hop, on va donner quelques troupes. Ça j'en donne pas parce que je l'ai dans mon deck principal. Allez, ben c'est parti, on va se tester ce nouveau deck. On va voir ce qu'il donne. Allez, on tombe contre Hitman, le tueur à gages. Le crâne d'œuf au code barre. Alors, il nous pose un géant. On va poser un petit chevalier. Avec on va attendre de voir, ouais voilà, j'en étais sûr. Aïe aïe aïe. Ça, on va essayer de le gérer avec ça. On va mettre le mini PK pour défendre là. Ouais, il est pas solide hein, ce mini PK, c'est impressionnant. Hein. Allez, sa mousquetaire, on s'en débarrasse. Ça va être à notre tour de passer une offensive bientôt. On va attendre que l'élixir se recharge. On va remettre un petit chevalier par là. Donc il nous repose un géant. Donc de suite on pose le géant royal. Alors ce qui me fait peur. Donc ça va. Hop, on va zapper tout ça. Mais ça va pas le faire encore une fois. Je pense que ça va être très tendu cette partie les enfants. Alors, bon, en même temps j'ai envie de vous dire les troupes, mes troupes comme je vous ai dit ne sont pas maxées. J'ai pas envie de maxer ça. Allez, on tente une offensive mini PK chevalier avec des gobelins à lance. Regardez le mini PK comme il se fait éclater. Niveau 4 ça vaut pas une merde. Il vaut pas une merde. On lui met quelques dégâts mais bon c'est de la merde. Hop, on pose les gobelins. Non, il m'a cassé une tour. Ouais, je suis pas fan de ce. Je suis vraiment pas fan de ce. De ce deck. J'arrive pas à faire un nouveau deck avec ça. Ouais, vous voyez, je me suis cassé la gueule. Alors, tranquille, regardez ça comment je me suis cassé la gueule. Je n'arrive même pas à lui prendre une tour. Ouais, mais c'est de la merde, hein, la daube. Il y a un deck à ne pas faire. Il était même mieux l'autre en fait. Mais voilà les amis, pour ce deck pourri, super combat, mais tu m'étonnes, tu t'es régalé. Alors, qu'est-ce que j'ai en réserve là? Allez, on va se faire un autre avec le géant royal. Mon deck spécial géant royal.
pense que ça sera les dernières vidéos que je fais en faisant que changer de deck, car je vais essayer de remonter en trophée. Alors j'hésitais à descendre complètement pour faire une remontée fantastique. Peut-être que c'est ce que je vais faire finalement, je vais voir. Tiens, vas-y, râle. Voilà, tiens. Ah, il m'a mis la Valkyrie, j'avais pas vu. Aïe 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 aïe. La double attaque. Qui va faire mal. Il va m'avoir une tour directe. Alors poser un petit extracteur. La petite tour de l'enfer. Puis on va attendre pour l'élixir avant de poser le gérant royal. Alors qu'il me met un sort de poison, j'ai pas compris pourquoi. Allez, hop, on pose ça, on pose ça. On pose des gobelins, il va en poser la Valkyrie encore une fois. Voilà, ça servait à rien. J'avais complètement zappé. On n'est pas loin d'y prendre la tour. On n'est pas loin d'y prendre la tour. On va poser le sorcier de glace qui va les ralentir un peu. La mousquetaire de sa mère. Allez, 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 allez. Ouais, on va, c'est quoi, on va essayer de mettre l'extracteur pour essayer de... d'emmagasiner le plus d'élixir possible. Tiens, d'où elle me touche cette connasse là, elle y était pas dessus. Qu'est-ce qu'elle est longue cette putain de tour de l'enfer quoi. Il va m'avoir ma tour principale ce connard. Regardez, il y a un sort de poison de dingue. Voilà, la roquette. Trimar. Il est content, hein. Encore une défaite. Je me régale. Allez, ben un dernier avec mon deck principal. Et là, ça va pas être la même. Là. MC Booba. Allez, c'est parti. Je dis ça, tant mieux, je vais me perdre. Merci, les fair play. Ah merde, putain, ça a pas eu le troisième. J'hallucine quoi. Ah voilà, regardez. Hop, la Valkyrie qui va bien. Tac. Tac. On va se recharger en élixir. Deux petits archers qui vont s'occuper de son chevalier. Là il met le chevaucheur, on pose un canon. Était long à se poser ce canon. À notre tour de poser un chevaucheur. Je pense que sa tour va sauter. Écoutez, il a quitté le combat comme par hasard. Dès que j'ai mon deck principal, il quitte même les combats les types. Et bien on va se faire plaisir, hein. La vidéo, que le combat qui sert à rien quoi. Et ben voilà, c'est fini. Hein. C'est fini. Sur cette victoire écrasante car il a abandonné. Dommage que j'avais pas le coffre à couronne à jouer.
Ah putain, un coffre de 3 heures. Bon ben voilà les enfants. Ben sur ce, je vous dis à bientôt et pour d'autres vidéos. Allez, salut à tous. Quand j'arriverai à arrêter ce putain d'enregistrement de merde. Ciao, ciao.